branché mon truc. Et salut à tous et bienvenue pour la suite de Battlefront 2. Let's go, continuons la campagne. Histoire dans une bonne. Continuez la campagne. Avec tout ça, je n'y crois pas. Prendre ça. Ça. On va prendre ça. Et c'est la mission. On est sur Vardos. Souvenez-vous, les amis. On est sur Vardos. Et voilà, voilà ma gueule. Papa, où t'es? Où t'es, papa? Où t'es? Je sais, le rythme... Bon, enfin, bon, vous ne verrez pas, mais je suis un peu freiné le rythme de mes vidéos. Parce que je suis occupé par mes études. Et que ça serait bien de privilégier ces études plutôt que son parfum vidéologique, comme on dit dans le milieu professionnel. Donc voilà, voilà. Mais j'ai quand même pas mal de jeux à tester. J'aurais bien faire Dishonored, j'aurais pu commencer la série des Gears of War, même si je l'avais déjà commencé. Mais j'ai pas fait le 2, ni le 3, ni le 4, ni Judgment. Si Judgment, je l'ai quand même fait un peu. Mais bon, c'est pas ça le problème, c'est que j'aimerais bien faire tellement de jeux. Et que t'as un des jeux qui me freinent, j'ai quand même eu l'ombre de la guerre qui m'a freiné. Et là, j'ai Destiny qui me bloque. On verra, on finira. On finira Destiny 2, ça je vous le promets. Mais on va essayer de faire des jeux avec une campagne assez courte. On m'a dit que Battlefront 2 avait une campagne assez courte. Donc voilà. La tutélaire Glaive se trouve aux archives. Suivez-moi. Vous vous souvenez de la direction à suivre, commandant? Je n'oublie pas si facilement, agent. Cette tempête n'est pas naturelle. Je n'ai jamais rien vu de tel. La population doit être vérifiée. Ce n'est que le début. Quand les gens sauront ce que nous avons fait ici, la terreur se répandra dans toute la galaxie. Je suis simplement surpris qu'on évacue pas les civils. Les pertes civiles sont acceptables. Les nôtres évacueront en priorité. Les civils sont des nôtres. C'est un monde impérial. Un lieu que nous sommes censés protéger. Monsieur, oui, monsieur. Sur moi. Tout ce que je veux, c'est qu'on me laisse partir. Si elle nous prend, pas du tout. Je dis juste que si je me fais, changement. Ok. Ok, ok. Contrôlez la sécurité du secteur 2B avant le départ. Les civils commencent à s'agiter. Compris. La tempête est forte. Qu'est-ce qu'on peut faire? Des protocoles de sécurité ont été mis en place pour votre protection. Ne tentez pas de quitter Vardos. Les véhicules non autorisés seront abattus en plein vol. Nous sommes vraiment ici pour une seule personne? Des civils sont en danger de mort. Nous avons également mis nos soldats en danger. Ils évacueront quand on leur en donnera l'ordre. Leur courage face à la tempête montre de la discipline. Mais Glaive, elle, a droit à une évacuation anticipée. Glaive supervise l'école de formation des futurs chefs impériaux. Elle crée des soldats efficaces et loyaux. Comme Eden. Pour moi. Et maintenant, elle nous demande un service. Les habitants de Vardos sont fidèles à l'Empire. Pourquoi devrions-nous les laisser souffrir? Tout ça, c'est pour le bien commun, comme... Rien de tout ça ne me plaît. Vardos était notre foyer, Ask.
C'est l'Empire, notre foyer. L'opération Cendre est un test pour prouver que nous sommes dignes de faire partie de ce qu'il va devenir. Vous parlez comme mon père. C'est peut-être allez-y, parce que je suis les hommes. Alors enfin, pas trop tôt. Il y a une version. C'est toi qui m'iras à l'envoi. Je savais que j'étais important, mais t'as risqué la vie de sa fille. Cible récupérée, on y va, Gleb. Et en plus, elle me donne des ordres maintenant, c'est adorable. Wow, reculez. Je viens avec moi. Les autres ont qu'à rester là, ils sont pas importants. Allez. Commandant. Il y a un vaisseau sur la plateforme 2. Vous y serez en sécurité, allez-y vite, courez. Wow, qu'est-ce que vous faites? Stop. Nous devons nous en tenir aux ordres. Ça suffit. Tout va bien, on vous emmène loin d'ici, en route. Non, vous ne pouvez pas... Je suis votre commandant, je vous ordonne d'arrêter. Iden, nos ordres sont très clairs. On nous a demandé de récupérer la tutélaire Gleb et elle seule. Mais les choses ont changé. Regarde un peu autour de toi, enfin. Est-ce que c'est ça, l'Empire qu'on a connu? Bel, je t'en prie, ne fais pas ça. Le rôle de l'Empire est de protéger les civils d'offensives telles que l'opération Cendre. Nous obéissons au Nouvel Empire. Si c'est ça, le Nouvel Empire, alors je refuse d'en faire partie. Je répondrai aux ordres de mon supérieur direct. Ce sont vos ordres? Est-ce que ce sont vos ordres? Parce que si c'est le cas, c'est une trahison! Est-ce que ce sont vos ordres? Oui. Et j'ai aussi les miens. Baisse ton arme. Ton indiscipline causera ta perte. Amiral Versio. Le commandant Versio et l'agent Miko ont abandonné la mission, ils ont trahi l'Empire. Je suis désolé. Je vois. Ramenez-moi Gleb, ceci est votre mission. Je m'occuperai personnellement des deux traîtres. Les deux traîtres ! Ouvre le feu ! Il y a un passage souterrain de l'autre côté. C'est notre porte de sortie. Ne tirez pas, sinon... Et je suis mort aussi. Ce qu'on va faire, on va changer pour... Je sniper. Il y a un passage souterrain de l'autre côté. Je ne sais pas... Ouvre le feu! Il y a un passage souterrain de l'autre côté de la place. Ouvre le feu! Allez, piratage en cours. Il faut atteindre le Corvus et quitter l'espace impérial. C'est notre seule chance. C'est bien, ils abattront le vaisseau en plein vol. Alors détruisons les canaux anti-aériens. Et que voilà. Ça se présente très mal. Reprenez-vous, agent Miko. Sur le Corvus, il y a des civils qui comptent sur nous. On n'a plus accès aux fréquences impériales. Le Corvus ne saura même pas qu'on arrive. On trouvera un moyen. Il venait des archives. Ça arrivait d'un instant à l'autre. Les barricades.
Allez, on avance. Je ne voulais pas que ça leur arrive. Nous avons été condamnés à mort. Si on ne se défend pas, on mourra. Oui, commandant. J'ai besoin d'un piratage. On peut neutraliser les systèmes anti-aériens droit devant. Je vous suis. Pirate ça. On n'est pas les seuls à vouloir se mettre en lieu sûr. Ouais, par ici. Faites pas de bruit, nous passerons inaperçus. Entendu. Attendez mon signal. Assomme-moi ça. Les canons sont assez puissants pour traverser les turbolasers anti-aériens. Exactement. Et en détruisant les antennes de visée, nous désactiverons toutes les défenses AA du secteur. Protège-moi. Envoie les volts. Je le vois là. Connectez-moi au Corpus. Commandant, j'ai les civils que vous avez envoyés au vaisseau.
Bien. Verrouillez le corpus. L'agent Ask va envoyer des hommes pour le capturer. Oui, commandant. Je suis avec boum vous. Boum, ma civile. Boum, boum. Faites attention à vous. VSTT. Je vois les canons anti-aériens. Je m'en occupe. J'ai du mal à croire que l'amiral soit prêt à aller aussi loin. Il ne fait que suivre ses ordres. Ses ordres ne sont pas justes. Les nôtres ne l'étaient pas non plus. Nous devons emmener les civils loin de Vardos. Et ensuite? Il faut d'abord qu'on sorte de l'espace impérial. Ensuite, on élaborera un plan. Compris.
bœufs pour nous empêcher de partir. Assieds-moi sur le corpus. Je nous sortirai d'ici. Mission accomplie, amiral. Toutes mes félicitations, commandant Ask. Complètement seule. Une partie de l'équipage est restée avec nous. Elle a protégé les réfugiés contre ceux qui voulaient les tuer. Comment vont-ils ? Choqués, perdus, mais en vie. Ils s'inquiètent pour la suite. Il faut qu'on prévienne quelqu'un. Prévenir qui ? Les rebelles ? Non, ils nous jetteraient dans la prison du Zénith avant qu'on ait pu dire le moindre mot. C'est pour ça que vous devriez prendre le Corvus et vous en aller. Laissez-moi un chasseur TIE, j'enverrai un signal de détresse et j'attendrai que les rebelles me trouvent. Vous pensez vraiment que je vais vous laisser tout seul ici à dériver dans l'espace? Tel. Nous sommes l'escouade Inferno. Vous et moi. Eden Versio, du Raider Imperial Corvus. J'envoie ce signal de détresse à l'Alliance Rebelle. Nous nous rendons. Contactez le général immédiatement. Donc tu t'es dit que c'était un piège, mais tu les as quand même fait monter. Tu passes ton temps à me dire de prendre des risques. Ça m'a semblé être la chose la plus irresponsable à faire. Excellent. Bonjour, je suis le général Lando Calrissian. Et j'imagine que vous devez être les déserteurs impériaux dont on m'a tant parlé. Général, nous avons déjà dit à vos hommes tout ce que nous savions. Allons faire un tour. Très bien. Qu'est-ce que c'est ? Une mauvaise idée. J'ai fait un pari. Shreve pense que vous êtes des espions impériaux. À votre avis ?
Je crois que vous avez peur. Et que vous êtes en fuite. Écoutez, vous nous avez renseigné sur l'opération Cendre. En échange, je vous offre 2 chasseurs, rien que pour vous. Attendez, vous nous laissez partir ? Bien sûr, changez de vie. Trouvez un endroit sûr. Un endroit où vous pouvez nous surveiller ? Nous avons d'autres préoccupations. On vient d'apprendre que l'opération Cendre va frapper Naboo. Vous devez l'arrêter. Je pense qu'on peut y arriver. C'est faux. L'Empire est en train de changer, et ses méthodes aussi. Dans ce cas-là, pourquoi ne pas venir avec nous ? Aidez-nous à sauver Naboo. Nous ne sommes pas là pour rejoindre la rébellion. Personne ne veut d'abord. C'est une chance unique. Vous pouvez partir maintenant, ou nous aider à arrêter ça. Vous nous laisseriez nous battre à vos côtés ? Que voulez-vous ? Je crois sincèrement aux secondes chances. Venez, je vais vous montrer vos vaisseaux. On ne sait même pas comment piloter un X-Wing. Rien de compliqué pour les forces spéciales. C'est quoi les options, Eden ? Alors, quelle est votre réponse ? Tu des chasseurs. Vous ne pouviez pas mieux tomber. Ici la princesse Leia Organa. Information sur ma position. Lando, protège la princesse. On se charge des satellites Cendre. Je suis derrière vous. Oh, mais j'en doute pas. Seulement si l'un d'entre vous tente un truc, je la bats sur le champ. Vous pensez vraiment y arriver ? On ne m'appelle pas leader danger pour rien. Je détecte une signature thermique sous les satellites centraux. Ça doit être le noyau d'énergie thermique. Alors c'est là qu'il faut concentrer nos cibles. Wow ! Attention ! La voir ! Il y a une tourelle sur certains de ces satellites. Ok ! Deuxième satellite HS. Le plus judicieux serait de commencer par détruire les systèmes de défense.
Bien reçu. Et un autre pour la casse. Joli tir, Versio. Bien reçu, chef d'escouade. Satellite HS. Tout va bien dans le secteur. Il reste des satellites à abattre. On va se charger du dernier. Vous, occupez-vous de ce destroyer stellaire. Les renforts clés sont là. Les bombardiers Y-Wing. Protégez-les. Concentrons nos tirs sur les boucliers du destroyer stellaire. Eh, hey, vous ne donnez pas les ordres ici. À toutes les unités, nous devons concentrer nos tirs sur les boucliers du destroyer stellaire. Un groupe de TIE vise nos bombardiers. Interceptez-les. Formation d'escorte. On va les aider. Une fois les boucliers hors ligne, le Restoration finira le travail. Notre vaisseau amiral, il ne peut pas résister seul face à un destroyer. Et avec notre aide, il finira le travail. Compris. Ils détruisent nos chasseurs Y-Wing. Faut les défendre. Attention, vaisseau ennemi en approche. D'autres chasseurs TIE, aidez-moi à les abattre. Et que voilà. Chasseur TIE en approche. Détruisons-les. Thank you.
Restauration, vous pouvez attaquer. Tous les autres, repliez-vous. Seul à voir ce destroyer stellaire brûler. Le protocole impérial est de se mettre à l'abri dans un endroit sûr. Ces vaisseaux se dirigent droit sur Tide. Ils vont s'en prendre à la ville. Que tout le monde rejoigne Tide aussi vite que possible. Ça peut être une chance d'arrêter tout ça. Danger. On ne sera que quatre. Quelqu'un sait y faire avec les machines? Oui, moi. Suivez-moi. Tide a un système de défense. Ce système nous permettrait d'arrêter l'Empire. Mais la tempête a endommagé les relais d'alimentation de la ville. Nous devons les réparer pour pouvoir l'activer. On va se séparer, puis réparer les relais. Quand on aura fini, on se retrouvera au palais. Compris. Ouais. Compris. Qu'est-ce que nous activons? Quelque chose qui arrêtera l'Empire. Quel est votre nom, soldat? Del Mico. Del, les renforts impériaux convergent vers ce secteur. On peut les arrêter, mais il faut que vous réactiviez ces relais. À vos ordres. Sécurisez la zone. Cet endroit doit être sûr. Entendu, princesse. Restez là, je nous protège. Éliminez-les! Ça nous laissera un peu de temps. Del, vous pouvez réparer le relais? J'ai été ingénieur sur les vaisseaux amiraux. Ouais. Mettez-vous au travail, on vous couvre. À vos ordres. On vient de remettre un relais en état de marche. Enfin, moi, je l'ai remis en état. Elle, elle s'occupait des Stormtroopers. On se dirige vers le deuxième relais. On reste en contact. Sécurisez le périmètre. Non. Ne dis pas qu'il va falloir que je recommence tout. On vient de remettre un relais en état de marche. Enfin, moi, je l'ai remis en état. Elle, elle s'occupait des Stormtroopers. On se dirige vers le deuxième relais. On reste en contact. Sécurisez le périmètre! Les gars, c'est pas faux. Des renforts. Ne blessez pas votre garde. Ça a seulement touché ces circuits. Je devrais y arriver. On arrive encore? Oui. Protégez-elle. Progresse. Je pointe un peu plus de temps. Bouclier. Ça devrait marcher. Besoin de protection. On est toujours votre passage. Oui. Je suis touché. Voilà. Vous les venez ?
Et c'est reparti. Yeah. On vient de remettre un relais en état de marche. Enfin, moi je l'ai remis en état. Elle, elle s'occupait des stormtroopers. On se dirige vers le deuxième relais, on reste en contact. La tempête a seulement touché ce circuit. Ah, ouvrez-moi. Des renforts. Ne baissez pas votre garde. Bouclier! Protégez le relais! On arrive encore! Protégez-t-elle! Voilà. Beau travail, on passe au suivant. Donc, les relais alimentent toute la ville en énergie. C'est ça. Et tant qu'on n'aura pas rétabli le réseau, Tid ne pourra pas arrêter l'Empire. Un médecin ! Vous occupez pas de moi ! Trop de concert ! Marcheur ennemi, j'ai besoin d'un bombardier sur ma position, vite! Affirmatif, Altesse. Mettez-vous à couvert. Donc, les relais allemands sont toute la vie dans l'énergie. C'est ça. Et tant qu'on n'aura pas rétabli le réseau, Tid ne pourra pas arrêter l'Empire. Marcheur ennemi, j'ai besoin d'un bombardier sur ma position, vite! Affirmatif, Altesse. Mettez-vous à couvert. Ouais. Abattu. Wow. Trop fort. Continuez. Il faut contre-attaquer. Transport en approche. L'Empire continue à débarquer. On a pratiquement réactivé un autre relais. Pratiquement? Ce truc est complètement sous l'eau. J'ai besoin de plus de temps. J'ai confiance en vous, Steve. Ça fait plaisir à entendre. Je veux un feu nourri sur ces impériaux. Menez-nous au relais.
À vous de jouer. Allez. Je m'en occupe. Princess, mauvaise nouvelle. On est coincé par un bipode de surveillance. On ne peut pas rejoindre votre position. Maintenez-le occupé et restez en vie. Vous ne serez en sûreté qu'une fois l'impulsion ionique lancée. Bien sûr, princesse. Venez ici. En avant. Oui. Allez, j'ai presque. Sur moi. Approche. Bien. C'est bon pour nous. Shreve, quel est votre statut? Le relais fonctionne. Parfait. Tous au palais. Del va entrer et déclencher une impulsion de vie. La reine avait pris des précautions avant la guerre des clones pour préserver Naboo des invasions. Une impulsion ionique qui neutraliserait toute menace autour du palais. Pas si on est dans le palais. Les forces impériales se dirigent vers le palais. Résistez aussi longtemps que possible. On est avec votre adresse. On gagne du temps. C'est en train de nous déborder. Retenez, général. Marcheurs, attirez leur attention. Ouais. Défense active. Ils sont juste au-dessus de nous. Repli. À toute l'infanterie rebelle dans le secteur, protégez le palais. Allez, vous êtes en sûreté ici. Mais merde. Ne vous en faites pas, princesse. Ça suffira. Vous criez en place. Ouais. Tout le monde en haut des marches. Ne les laissez pas monter. Tenez-les à distance des portes et continuez à tirer.
Princesse, l'impulsion est bientôt prête. Tant mieux, parce qu'on a bientôt plus nulle part où s'abriter. Tel, le moment me semble idéal. Je suis prêt, Votre Altesse. Les soldats sont trop nombreux sur notre position. Ce marcheur est trop puissant. Lancement de la séquence de détonation. Entrez dans le palais. Oui. Bonjour, Votre Altesse. Vous avez fait du beau travail, mais je n'en attendais pas moins de la part de l'escouade Inferno. Donc, vous avez parlé au général Calrissian. Vous savez que vous avez causé beaucoup de tort à notre alliance. C'est exact, Altesse. Et nous n'avons aucune excuse. Quand on vous regarde combattre, il est évident que vous ne fuyez pas que l'Empire. Tout cela vous importe beaucoup. Oui, c'est vrai. Nous avons combattu toute notre vie durant. Mais il nous a fallu bien trop longtemps pour comprendre qu'on luttait du mauvais côté. Cette guerre est loin d'être terminée. Nous aimerions lutter à vos côtés, si vous le voulez bien. Vous savez que grâce à vous et à vos semblables, l'espoir peut triompher. D'autant que c'est grâce à l'espoir que nous gagnerons. Bienvenue dans la Nouvelle République. Merci, Altesse. Sénatrice Organa, ça faisait longtemps. Bâtir une république, c'est beaucoup de travail. Tout comme traquer sans relâche une flotte impériale. Et ça ne va pas s'arranger, commandant. J'ai besoin de vous. Un de nos généraux a disparu. J'ai retrouvé sa trace sur Takodana, mais il ne répond à aucun de mes appels. J'aimerais que vous retrouviez Han Solo. Tiens-moi une autre partie, Lansling. Pas tant que tu m'auras pas payé celle que tu viens de boire. Allez, tu me connais depuis le temps. Justement, c'est pour ça que je me méfie. Où est mon Wookie? Chewie répare le faucon. Le communicateur longue portée a pris un sacré coup sur Joe Mark. Ça fait un bon bout de temps qu'il n'est pas venu ici. C'est parce que tu le rends nerveux. Je sais que vous préparez quelque chose tous les deux. Dis-moi ce que c'est. Tu sais très bien que toutes les affaires passent par moi. Je dois rencontrer un ancien impérial. Il dit qu'il peut nous aider à libérer les Wookiees sur Kashyyyk. Tu connais cet homme? Fais attention. Si jamais à cause de toi l'Empire est attiré devant ma porte... T'en fais pas, tu sais que je couvre toujours mes traces. Allez, quoi, accepte de me donner un coup de main. Fais ça pour Chewie. Je ne connais pas cet homme. Mais il est tard. Et tu vas voir que ma clientèle peut parfois être... assez bavard. Merci, Maz. Je t'en dois une, tu sais. Tu m'en dois bien plus que ça, Han Solo. Surtout, tâche de ne pas l'oublier. Eh ben, on va se quitter là, les amis. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager.